Et moi, Cyrano, salut bien, Hercule de Bergerac. Bouffon. Hein? Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Hein? Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, je vais vous donner un petit coup charme. Poète. Oui, monsieur. Poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisable, vous composer une balade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais la balade, donc, je compose de trois couplets de Viver et d'un envoi de quatre. Vous, je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier mot. Non, non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un. Périte. Qu'est-ce que c'est, ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Marche. Très amusant. Rangez-vous, pas de bruit. Attendez, je choisis mes rêves. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scarabée. Je vous préviens, cher Myrmidon. Qu'à la fin de l'envoi, je touche. Où vais-je vous larguer, Dado, dans le flot, sous votre maheude? Au cœur, sous votre bleu cordon? Votre guitare, ding-dong! Ma pointe rétige une mouche. Décidément, c'est au bon endroit qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il ne manque vraiment œuvre pour romper le blanc camidon, c'est pour me fournir le mot bleu. Je pars le point de dos, vous espérez vous faire bon, j'ouvre la ligne, j'ai la mouche, j'ai fait ta bref, la rayon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je garde les pieds, j'escarmousse, je coupe, je fasse. Et là,
la fin de l'an, au revoir. Je touche. Oh. Superbe. Joli. Formidable. Nouveau. Insensé. Compliment. Félicite. Jacques. Conjon. Laisse un peu sortir cette cohue. Je peux rester? Mais oui.